Dis donc, René. René. Ah, tu m'as fait peur, je bougeais plus, j'ai cru que j'étais mort. Eh ben non, bah heureusement d'ailleurs. Non, regarde. C'est marqué, il y a 7 milliards d'humains bientôt sur Terre. Bah forcément, si les gens ils font que de niquer et on se retrouve forcément dans le mur. Quand tu penses qu'avant on était que 2 milliards. Bon, on les a pas vus passer, les 5 autres. Mais c'est à cause des jeunes, là, les jeunes ils pensent qu'à faire l'amour, enfin, et puis ils se reposent jamais. C'est... Bah moi aussi je pense qu'à ça, mais je peux plus, c'est différent. Bah, toi c'est normal, hein, ton petit bambou là, maintenant il a rétréci au lavage, il a fait la guerre. Ah bah il a beaucoup tiré, maintenant il se repose. Ouais, bah, non mais tout ça c'est à cause des Chinois là, c'est du n'importe quoi, les Chinois c'est comme les lapins, là. Tu les poses dans un coin et ils te font 5 milliards de Chinois là. C'est... Bah, ils connaissent pas les préservatifs. Mais non, ils les utilisent là pour envelopper leurs brochettes de porc. Ah bah tiens, justement ils disent que les Asiatiques sont, d'après... Attends, je vois rien du tout. Bah mets tes lunettes enfin. Ils sont tout petits, bah faut que je les retrouve mes lunettes. Bah retrouve-les enfin. Elles sont sales aussi. Bah nettoyez enfin. Bah non, c'est pire quand je les nettoie. Bah bon. Alors c'est où ton machin là? J'ai perdu la ligne. Attends. Ah c'est ici là. Le nouveau film de Cody Cachet? Non, c'est pas ça, c'est là. Ah. Voilà. Alors ils disent que les Asiatiques sont 3905. Oui. Attends, non, c'est 3 915 000. C'est des milliards. 415 millions. Mais non, c'est pas ça, enfin... C'est marqué millions, mais là. Mais c'est marqué milliards, enfin, tu sais pas... Mais enfin, bref, il y a plus de chiffres que de lettres dans ton machin. Ils sont beaucoup, ces litchis, quoi. En plus, ils représentent à eux tout seuls plus de la moitié de la population mondiale. Puis ils sont partout, ils nous envahissent, avec leurs wasabi, leurs Pokémon... Puis leurs mangas aussi. Leur quoi? Leur manga, bah enfin, tu sais bien, là, Dragon Bozel, là, celui qui balance des boules magiques. Ah oui, celui qui a le brushing qu'il faut 3 heures à faire pour le mettre, là, oui. Puis, on dirait des porc-épics. Il change de couleur, souvent. Ah oui, on dirait des fruits pourris, oui. C'est bizarre. Oui, mais est-ce que t'as déjà vu, toi, un film chinois? C'est étrange, hein. Non, pas à ma connaissance. La première fois que j'ai vu un film chinois, bah, j'ai cru que le héros, il faisait tous les autres rôles. Ils se ressemblent tous, ces gens-là. Ah, mais j'avais un ami japonais de longue date, moi. Mmh. Il s'appelait Chang Li. Mais enfin, hein. Bah, ils ont été très proches. Oui, donc Chang Li. Mais ils portent tous le même prénom, là-bas. Eh ben, je l'ai perdu dans le 13e, je l'ai jamais retrouvé, il doit m'attendre encore. Quand tu parles en même temps, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. De foin? De foin, oui. De foin, oui, pardon. Oh là là. Brassens? Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte sur Brassens? Montre les muscles. Oui. Ah, là, bah, oui, bah pour soutenir la contrebasse, il en fallait des biscottos, hein, tu crois quoi, là? Mais dis donc, est-ce que t'as déjà goûté, là, au nem, à la mule et au chien? Ah, bah oui, mais je n'aime que ça, là-bas, tu sais. J'ai pas compris. Moi non plus, c'est pas grave. Ouais. Ah, j'ai une préférence pour le chaton confit caramélisé. Ah, oui. Oh, Dieu que c'est bon pour la santé. Bon, c'est très salé, mais ça fait du bien baroque que ça passe, hein. Ouais. Oh là là, tu crois l'entendre miauler quand tu digères. As-tu goûté à leur corbeau aux asperges? Ah bah oui, j'ai déjà goûté. C'était du chef. Mais je me suis cassé une dent à cause du bec. Croqué dedans. Oh, ils ont qu'à se manger entre eux, ça fera moins de monde, hein. Et puis comme ça, on pourra dire, viens, on va manger un chinois au premier degré. Mais comment ils vont faire, les japonais, maintenant? Parce qu'ils vivent en hauteur, ces gens-là. Ils vont finir par tomber un jour. Mais non, t'inquiète pas, ils vont creuser le sol et vivre en bas. Ils vont se retrouver dans nos caves, bientôt. Est-ce que t'as déjà entendu parler, là, de la loi chinoise, là, qui consiste à faire l'amour, pas une fois, ou je sais plus, ils doivent faire un enfant, enfin, je sais plus ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire qu'un enfant, voilà, oui. Bah, ils ont trouvé l'astuce, ils font bien qu'un seul enfant, mais à plusieurs femmes différentes, dis donc. Bah, ils ont trouvé l'astuce, en effet, ils respectent la loi, dis donc. Qu'est-ce que c'est qui sonne? C'est encore ta prothèse qui déconne? Ah, mais non, mais ça c'était hier, non, c'est là, c'est le chinois, il est venu, là, j'ai demandé du canard à l'étouffer. Ah, mine de rien, c'est bon, leur saloperie, bah, tu me réserves des abeilles au gingembre, avec beaucoup de soja.